bon matin. Ah, je t'ai soufflé. C'était encore un matin difficile. Mais tu sais, la directrice m'avait dit que lundi ça irait pas parce que quand c'était parlé au téléphone vendredi, elle m'avait dit qu'il faut t'attendre que ça ira pas lundi parce que tu sais, ça a été stressant parce que je vais me dire que tu tolérerais pas ça. Puis que. Quelqu'un me débat encore puis je file mal. Déjà, il est angoissé avant de partir. Là. Il disait, oh, il reste combien de temps? Puis, tu sais, maman, tu sais combien il reste de temps? Puis, c'est ça. Sauf que là, un matin, tu sais, faut que j'emmène dans mes bras et pleurer beaucoup. Mais, tu sais, un matin, il était pas méchant, genre, donner des coups de pied à sa boîte à lunch ou bien, me dire qu'il m'aimait plus puis ça irait pas bien quand il reviendrait de l'école. Ça, il m'a pas dit ça, par exemple. Mais, il reste qu'il disait que l'école, ça servait à rien, l'école, c'était plat. Tu sais, il pleurait beaucoup. Puis, tu sais, il voulait sauver, là. Tu sais, il voulait que je retienne par le poignet, dans le fond. Puis là, quand l'autobus est arrivé, ben, il voulait pas monter. Mais après ça, il a monté deux marches. J'ai dit, ça y est, tu sais, il a monté deux marches. Mais là, il a saisi, puis il voulait plus. Puis le chauffeur, ben, il y avait effectivement une place en avant. Mais là, le chauffeur, il dit, viens l'asseoir parce qu'il ne voudra pas s'asseoir. Fait que là, j'étais allée l'asseoir, puis il restait assez deux secondes. J'étais tout contente. J'ai dit, yeah, il s'assit. Tu sais, j'étais soulagée par en dedans. Puis là, j'ai dit, Lucas, tu vas avoir ta surprise. Mais c'est levé aussitôt. Fait que là, le chauffeur, il dit, bon, voilà ça entre les deux. Fait que là, il l'a laissé entre les deux. Puis, mais quand l'autobus est parti, moi, je regardais, puis j'ai vu Lucas être debout entre les deux. Tu sais, il était debout devant sa place. Fait que là, j'ai dit, oh boy, ça marchera pas, par exemple. Là, ça n'a pas été long, le chauffeur, il a arrêté. Puis là, tu sais, j'ai été voir proche de l'autobus, puis finalement. Ben là, le chauffeur, pour moi, il a demandé de s'asseoir, puis s'est assis. Puis l'autobus est reparti. Mais là, c'est parce que je m'en vais, je t'allais dire qu'il reste la surprise, mais dans le fond, il a pas bien agi après, là. Fait que. Oh, je te dis que ça me vide, ça me vide. Là, Katia, ben là, elle s'en va à la piscine le matin. Fait que là, j'ai mis son nouveau maillot, puis j'avais peur qu'il fasse pas que ça couche, mais finalement, il fait super bien. Fait que là, elle va être prête pour la piscine. Là, j'ai mis à l'habiller. Faut que je. Là, en plus, il faut que je prenne la commande de ses photos quand je fais ça. Puis, c'est ça. Là, la petite cocotte, je sais pas ce qui est arrivé. Je sais pas si vous voyez son orteil. Regarde, il y a du sang. Fait que, puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Parce qu'une fois qu'on est allé chercher la maison du tournoi, elle avait ses sandales. Oh, regarde, ça avait sa terrasse. Vous la voyez? Elle avait sa terrasse, c'est drôle. Ouais. Fait que là, c'est ça, elle avait ses sandales. Puis quand il a enlevé hier soir, ben là, on a vu ça. Qu'elle avait l'orteil en sang. Fait que là, on sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé, puis où, puis quand. Mais Katia, c'est tellement dur de savoir. Elle chiole pas, elle pleure pas quand il arrive de quoi. Fait que là, je sais pas. Mais ça me fait de la peine de voir que. Tu sais, qu'elle peut pas nous dire ce qu'elle a fait de ça, qu'est-ce qui est arrivé. Fait que là, j'espère que ça va quand même pas. Puis ça avait les pieds sales, là. Les pieds étaient sales, ils étaient noirs comme le poil. Puis pourtant, nous, elle était en sandales tout le long, là. Fait que je comprends pas trop, là. Quand elle avait ses sandales, puis on y a pas enlevé. Puis c'est hier ça qu'on est venu pour la coucher, qu'on y a enlevé. Fait que c'est ça. Fait que. Aujourd'hui, il fait encore super beau et chaud, ça n'a même pas de bon sens. On aura une belle journée d'été. Là, Sabrina est ici un matin, c'est le fun. Moi, j'ai Sab le lundi matin, je trouve ça le fun. J'ai comme mon moment avec ma Sab. Hein, Sab? Sab? C'est le fun parce qu'on a comme notre petit moment à nous le lundi matin. Fait qu'elle repart, elle va partir vers midi, je crois. Parce qu'elle décolle à 3h après-midi, elle. Fait que. Mais là, je vais aller au magasin avec elle, puis qu'elle est tout, elle choisit un petit quelque chose. Fait que je sais pas si on va y aller finalement, puis c'est bien, il faut y aller à pied. Puis là, tu sais, je suis quand même lourdée à matin, là, j'ai mon lave-vaisselle à vider, la maison est bordélique. Fait que faut que tu fasses ça. Puis là, j'espère juste avoir peut-être commandé des photos à Katia aussi. Fait que, puis là, ben, vous voyez Katou. Je sais pas si je vous l'ai dit. Hier, elle était full speedée encore à 11h. Elle était vraiment speedée, elle dormait pas. Puis à 5h du matin, j'entendais crier, tu sais, crier, elle était hyper active, elle criait, là. C'est pour ça qu'elle adore sa chaise. Fait que ça, ça dort vraiment pas beaucoup de se tincer, mais ça mange mieux. Mais tu sais, on dirait avec 400, on peut pas tout avoir, hein. C'est ça qui arrive. Fait que, c'est ça. Mais je vous retiens au courant, mais tu sais, mon cœur, il est pas. Je me sens pas bien. Tu sais, je trouve ça perdre de voir Lucas comme ça. Puis, oh là là. Au moins, cette semaine, on a juste 4 jours à le mettre dans l'autobus. C'est-à-dire qu'il en reste 3. Faut que je me dise, il reste 3 jours. Parce que vendredi, il n'y a pas d'école. C'est ça. Fait qu'en attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous reparle plus tard. Bye! J'ai rechecké les photos, puis j'ai décidé de ne pas les commander. Finalement, je les trouve pas belles. Je les trouve vraiment pas belles. Je les ai recommandées pour un souvenir, mais un souvenir que tu trouves pas beau. T'sais, dans le fond, j'en ai des souvenirs en masse à la page à Katou, là. C'est pour ça que je fais sa page, justement, c'est pour avoir des souvenirs. Puis je l'avais posé le matin dans son taxi, puis elle était pas mal plus belle que ça. Fait que
Dans le fond, commander des photos, je les donnerai pas parce que je les trouve laides. Non. J'aime mieux garder mon argent pour d'autres choses. Fait que, finalement, je décide de pas les commander en le checkant. Fait qu'il y aura pas de photos pour Katia, là. Puis, fait que c'est ça. C'est avec ça que je voulais dire. Ah, ben c'est ça, la directrice m'a réécrit, puis elle dit que tout était beau encore un matin. Ça allait vraiment bien avec Lulu. Regarde, il faut pas lâcher. Mais là, j'ai posé la question si demain. Parce que là, demain, mon chum, il est là. Tu sais, pour aller le porter. Puis sinon, ça serait moi de demander. La coupeuse sera à la maison, là. Mais en même temps, j'ai pas compris toute la routine qu'on est en train d'instaurer. Puis que le fait que ça coupe à la maison, il fasse plus une crise ou l'autobus. C'est bizarre à dire, hein. Je sais pas si. Puis là, j'ai demandé à la directrice qu'est-ce qu'on serait mieux de faire. Je sais pas si elle va me répondre. Parce que demain, ça me donnerait un break. Mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va me dire. C'est que ça serait mon chum, il pourrait aller le porter demain. Mais je sais pas si on rappellerait qu'est-ce qu'on est en train d'instaurer, c'est la routine, puis que tout se passe comme d'habitude, là. Genre. En tout cas, j'arrête de parler, là, je vais faire mes affaires, bye. Mmh. Que tout est prêt! Finalement, j'ai réussi à y refaire. J'ai gardé les mêmes traînes, j'ai réussi à les retresser un peu pour qu'elles aient l'air toutes échevelées. Mais bébé! Ouais! Fait que c'est ça! Que tout s'en va dans une minute à l'autre. Ma belle fille, tu vas aller faire de la piscine. Tu vas aller faire de la piscine. Ouais. C'est belle fille. La petite poupée est partie, elle avait l'air tellement contente. Elle tapait dans ses mains. Puis là, j'ai vu qu'elle reculait. Elle tapait sur sa cuisse. Contente. En tout cas, j'ai pas trop d'amis dans le taxi. J'ai pas le trouble de vraiment pas. En tout cas, ça va bien avec Kato pour ça. Même si elle était fatiguée, vous avez vu comment elle était fatiguée. Ah, ben je sais plus si vous l'avez vu. Parce que pas longtemps après, elle était sa chaise. Hein, quand je l'ai filmée, elle était rendue dans mon lit et elle dormait bien dur. Faut que je dis, viens, Kato va en bas. Puis c'est ça. Ah, fait que là, je suis le bordélique. Moi, je me ramasse. Mais là, je pense qu'on va aller au magasin. Hein. Mais je vais essayer d'activer, là. Sabrina? Sabrina, finalement, tu veux-tu y aller au magasin? Finalement, on y est au magasin? J'aimerais dire les cheveux! En bas! C'est tellement le fun, tu sais. Mon frère aurait dit à ça, je laissais tout le temps en haut parce que, tu sais, il fallait que je monte en haut pour mes coiffer. Mais avant qu'on passe les rénaux, moi, c'est tout en bas, c'est en bas, je faisais mes affaires, puis là, je peux recommencer à le faire! C'est tellement le fun! Là, je vais aller rejoindre ça à Beauport parce qu'à matin, pour qu'on aille au magasin. Puis là, je vais aller rejoindre mon père, puis on s'en va là, à pied, au centre d'achat. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai eu le temps de ramasser. J'ai fait la maison clean un petit peu, j'ai passé la balayeuse, j'ai vidé mon lave-vaisselle. Fait que ça, c'est fait. Puis là, il est 9h30, donc on s'en va à pied au magasin. Fait que je vous tiens au courant. Salut! Bon, ouais, go pour le magasin. Là, je m'en vais rejoindre, c'est ça, c'est à Beauport. Parce qu'elle reste balancinée là. Puis ben là, j'ai parlé un petit peu à Pam. Fait qu'elle a pas bien dormi encore à cause du chat. Puis tu sais, elle dit déjà que mon moral, il est pas super haut. Fait qu'elle fait de pas dormir, ça l'aide pas. Ça, c'est plate, l'histoire du chat, par exemple. Je trouve ça bien plate. Fait que... Parle! C'est la bonne allée qui se balancine, elle va venir me rejoindre. On s'en va au magasin! Hey, ça a méga bien été notre marche, hein, Sèvres? Ça a été bien. Ça, on est arrivé au carrefour, c'était le fun, puis il y a un bon petit vent, c'est parfait pour marcher. Je capote, j'en regarde tellement pas là, d'être venu marcher. Et là, on arrive au carrefour. Et voilà! C'est ici, par là! Ouais, fait qu'on s'en va là. On a fini notre magasinage. On attend notre chiffre. Mais on sait pas si John va avoir notre message. Ouais. On s'est trouvé des belles choses. Puis, là, je vais faire des hamburgers en arrivant. Maintenant, j'ai envie d'amener une poutine, mais j'ai acheté des hamburgers de l'eau. Je vais essayer de starter des hamburgers. Si j'arrive à temps, j'espère, sinon, j'arrive pas le temps. Regardez encore les belles fleurs qu'il y a ici. C'est beau, hein? On a acheté encore beaucoup d'affaires. Vous allez au Super C Barnier. Vous allez voir Barnier. Vous allez acheter des fruits, plein de fruits. Maman, John vient nous chercher. Fait que je vais être correct. Ok, fais des bons bagarres. Sam, t'aimes ça les bagarres, hein? Ouais. Ah, mais il fait tellement beau, je vous dis, ça n'a même pas de sens. On en revient pas. On est 17 en septembre. C'est une belle journée d'été. C'est capoté. Ouais, c'est vrai. J'ai choisi ce petit gilet-là à poids, mais tu sais, des sites dans le centre, ça avait fait une belle boucle.
Puis elle s'est choisi lui. Lui, il faisait vraiment bien la couleur. Regarde, je sais pas si vous voyez une petite boucle ici, là. C'est dur à montrer, pas sous le dos, là, mais... Un petit gilet. C'est pour venir cher, elle était raisonnable, elle n'a pas dépassé le budget que j'avais donné. Ça, c'était 20 à 40 %. Puis lui, c'était 20 à 40 % aussi. Regarde ça, elle peut l'attacher, là. Bon ben, tout le monde est parti, mon chum est venu dîner, puis là tout le monde est parti en même temps, mon chum est parti, puis ça, puis John me suivait, il partait autour en même temps. Fait que là, elle a amené son lapin, fait que là, elle va voir comment ça va aller. Mais tu sais, c'est con parce qu'il va être seul aussi la fin, il va être seul la fin de semaine. Dans le fond, moi je pense qu'elle a aimé le laisser ici, mais tu sais, si c'est vrai qu'il est dans la cave, puis tu sais, le Nick est plus là, fait qu'il n'y a plus d'activité dans la cave, ben, en tout cas. Elle l'a amené, puis là finalement, ça va descendre pas jeudi, dans le fond, on la repogne vendredi. Avant de monter à Montréal. Fait que c'est ça, je voulais dire. Là, je vais ramasser le dîner, les affaires, je vais étendre mon linge, là, il faut que j'active. Puis, mais tu sais, je pense que je serai pas toute seule longtemps, je sais que Nick va venir sur l'heure de dîner. Je parierai que je vais avoir mon Nick sur l'heure de dîner, fait que je serai pas toute seule longtemps. Mais dans l'attente, je vais activer, puis je vous retiens au courant. Fait que c'est ça. Tourlou! Ça, je vais vous montrer, j'ai acheté ça Stitchers aussi pour 4 tours. Puis, mais ça, finalement, je réalise peut-être qu'ils vont être trop grands parce que Cathy, elle change des 6,5 puis c'est 9,11. Mais tu sais, reste que c'est des pantoufles, là. Fait qu'on s'en fout si c'est grand aussi de nos côtés. Tu sais, je me dis, c'est parce que l'hiver, si on. Tu sais, l'hiver, c'est plus facile d'enfiler ça dans les pieds pour aller les pieds au chaud. Si on s'en va en auto, justement, je vais pas y mettre ses bottes, ben, parce que c'est ça qui est le fun, là. J'ai hâte cet hiver qui va être le fun parce que nous autres, Cathy, elle aime vraiment beaucoup se promener en auto. Mais l'hiver, souvent, ça l'empêchait parce que. Tu lui mets ses bottes, c'est long. On a chaud, c'est long. Mais là, Star, on a la porte. C'est ça que j'ai tellement hâte, ça. T'sais, on a la porte là, qui mène direct au garage. Puis avant, on n'avait pas ça. Fait que là, l'hiver, ben, ça va être le fun. On va laisser on va rentrer l'auto dans le garage. Ben, là, il va falloir faire du ménage avant dans le garage, par exemple, pour être capable de rentrer l'auto. Là. Ça, c'est une autre histoire. Là. Mais en tout cas, normalement, on veut rentrer l'auto dans le garage pour que si jamais on veut qu'elle prenne une ride d'auto, ben, on part avec Kato, avec ses pantoufles. On va de même, on s'en va dans l'auto. L'auto est chaude dans le garage. Après ça, tout le long, on s'en allait. Ben, on est correct. Ça. On rentre l'auto. On rentre dans la maison chaleur. Fait que ça va être facile de prendre des règles d'auto avec Katou. Tu sais, de nous changer d'idée, de se faire plaisir sans que ça soit quasiment notre entraînement physique. Il met ses bottes. Fait que ça, je suis contente. C'est pour ça que j'ai acheté ça, ces petits bas-là. Pour ça. Puis il était 15$. Il était en spécial. Enfin, ils m'ont coûté 8$, je crois. Ouais, ça, 8$. Genre, ils sont beaux, hein? Regarde ça, c'est un petit rose, un rose mauve, là, c'est dur à dire. Les beaux petits bas avec les petits pompons. Fait que c'est ça que... C'est juste que je sais pas encore, je suis embêtée si c'est de quoi que je garde pour Noël, justement, pour mettre dans sa petite boîte surprise. Je n'ai jette d'autres en attendant de Dolorama pas cher, qui vont me faire en attendant. En tout cas, il y a ça. Je commence à faire des petits achats comme ça, parce que moi, ça fait que ça paraît moins dans le temps des fêtes, c'est moins des grosses dépenses. Ben, j'ai chaud. J'ai d'aller tendre mon linge. Je faisais vraiment chaud. Puis, j'achète un autre petit quelque chose à Pam, mais là, je peux pas montrer parce que ça regarde des vlogs. Elle risque de le voir, mais tu sais, j'ai une autre petite chose pour Pam. Fait que je suis contente. Mes commissions d'avance, comme ça avance pour Noël. C'est pas drôle de dire ça, hein, mais moi, les bas, tout ça, ça. Tu sais, j'aime ça faire les bas, mais tu sais, faut que je les prenne d'avance, sinon, je suis pas inspirée dans la minute, puis ça coûte cher, sinon. Puis, c'est ça. Je vais vous raconter. Bon, ben, comme je pensais, Nick est venu, il vient de repartir. Mais c'est ça, il mange, puis il laisse tout ça dans l'assiette à la traîne. Fait que. Puis tu sais, viens ici manger pareil, tu casses presque tous tes repas. Fait que. Comme ça, il va dormir dans son logement, puis prendre sa douche. Ah, en tout cas, c'est un début. Puis. C'est ça, là, faudrait que je prenne des biscuits. Là, je suis allée dans le camp passer le balai. Voyons ce que c'est. Je suis allée dans le camp passer le balai parce que là, ça vient d'amener son lapin, puis il y a plein de pays. Fait que j'en profite pour aller passer le balai, mettre ça propre. Puis après, je sais pas, j'ai. Justement, je vais pas me reposer. C'est ça que je me demande aussi. Je pourrais aller mettre le cadran, mettons, jusqu'à 3 heures, puis après ça, starter tout de suite les biscuits au beurre de pinot, puis c'est vraiment pas long. Puis. Aller chez les calories, ça, je me demande. En tout cas, je vais voir à ça. Je vais aller passer le balai pour là, puis on. Je vous retiens au courant. Ah, il est revenu! Je viens juste d'arriver! Ouais! Il mange ses biscuits au beurre de pinot que j'y ai fait. Puis il a fait chaud, hein, Lulu?
faisait chaud encore aujourd'hui. Oh, ça me vide tellement encore. Là. Lucas est en train de m'expliquer qu'il a vu l'éducatrice aujourd'hui, puis l'autre petit gars. Ben, parce que là, je sais plus, je vous expliquais la semaine passée qu'il y a un petit gars qui l'avait réglé dans l'autobus, qu'il avait traité de gros bébé, puis qui était un cochon, tu sais. Fait que Lucas m'avait compté ça. Puis là, plus tard dans la semaine, après ça, il me dit que le petit gars, il l'aurait poussé dans le ventre. Il l'aurait poussé dans le dos, puis après ça, donné un coup de poing dans le ventre. Fait que Lucas, il a vu ça, il lui est allé le dire. Puis là, c'est finalement l'éducatrice de l'école qui règle les problèmes. Justement, elle a rencontré Lucas puis l'autre petit garçon aujourd'hui. Puis Lucas me contait ça qu'il y avait l'histoire des pots, puis là, il fallait qu'il s'explique, puis qu'il remette la joie dans le pot, tout ça. Fait que là, ben c'est ça. Ben, le petit gars, c'est ça, il paraît qu'il écœurait Lucas juste à cause de ses crises dans l'autobus, puis il disait qu'il méritait pas de congé aux avis. Fait que ça me fait de la peine. Mais là, ça sont expliqués, là. Ok. C'est une de mes peurs, justement, qui se fait se rire de lui à cause de ça. Puis regarde, il y avait déjà un petit gars qui le peint puis cossait à cause de ça. Là. Fait que ça me. Tu sais, je sais qu'à l'école, ils nous supportent, là. C'est sûr, ils ont tout intervenu pour pas que Lucas s'entraîne ridiculisé, comme ils nous disent, là. Tu sais, je les apprécie tellement, je vous dis de changer leur support, là, parce que. Ouais, c'est pas facile. Et c'est juste ça que je voulais vous raconter, là. J'attends le retour à Katia, puis elle est à ta piscine, mais. Je trouve pas ça facile. Le petit cadeau qui est arrivé. Oh bébé, maman. T'as aimé ça à la piscine? Hein? T'as aimé ça? Ouais. Katia avait sa piscine aujourd'hui. Puis, c'est ça, il paraît qu'elle a bien mangé. Je suis contente. Puis là, moi, j'essaie tout de suite de la faire souper, à peu près 4h15. Je vais essayer de la faire souper et donner son médicament. Puis après ça, c'est Lulu, je vais en faire souper. Puis je vais aussi faire sa leçon. Fait que s'il peut jouer avec ses amis au plus vite possible, ben. Ça nous permettrait. Si la chance de jouer avec ses amis, ses leçons sont faites, ben, il va pas en profiter plus, ça. Mais tu sais, je trouve ça tellement difficile de sentir que là, mon gars, quand il sera écœuré, tu sais, que c'est. Ça voulait qu'il intervienne à l'école, là, parce que justement. Tu sais, l'autre garçon mentionnait les crises à Lucas, puis la semaine passée, c'est le même. La semaine passée, tu sais, c'est le même. D'ailleurs, j'avais entendu du bruit bizarre, c'est pour ça. Puis la semaine passée, c'est le même qui commence à l'écœurer, là. Fait que. Je trouve ça plate. Mes deux amours sur la banquette! On va tomber, Katou! T'es belle, Katou! Attention! T'es beau, Lulu d'amour! Et gros ton arme! Et... Pouf! Ah! Oh. Regardez le nouveau. Y a-t-il d'histoire à aller? C'est quoi le titre? Je sais pas. Félix Voyage. Faut que tu saches le titre aussi. Puis là, Lucas commence à lire un petit livre! Ah! C'est toi! Non. Je vois la mer. Ouais? Je suis contente. Je. Vois, ça, je vois le sang, oui! Le crabe. Ouais. Je vois la tortue. Ouais. Je vois le parasol. Oui. Je vois... L'appel. Oui! Je vois... Le sac. Ouais! Le crabe. Oui! Le crabe. Allô, je suis en train de faire le souper. Puis on a fini les leçons à Lucas, puis il était bon encore. Il m'impressionne. Je suis vraiment fière. Là, il y a son petit livre qui s'abrite un peu, fait je vais le refaire lire à soir parce que s'il lit comme il faut, je vais pas signer comme quoi qu'il l'a lu puis en avoir un autre. Il va en avoir un autre. Puis là, Pamela est en examen, j'y pense beaucoup. Elle est en examen depuis une demi-heure. J'espère que ça va bien, puis si ça la stressait beaucoup. Puis demain, elle a une disposée orale aussi, ça aussi, ça la stressait. J'espère que ça va bien aller, je pense à elle. Puis là, mon manger, on va manger ça. Voyons, excusez, ça vient de là. Avec des nouilles comme ça, puis je fais que du blé d'Inde, justement, pour avoir notre légume.
On va pas bien, là. Une plaie d'ail. Fait que ça va être bon. Puis, mais Katia n'a pas voulu souper. C'est plat. J'avais des pains des sandwichs au poulet, là. Elle n'a pas voulu. Elle a bien dîné qu'on dit. Fait que. Lucas, il a mangé de la ballonnée. Avec un fromage jaune. Puis, il a pris un. Ben, ça, j'avais donné un genre de tortilla avec ça aussi, là. Mais mon Lucas, elle m'a dit ça, ça m'en donne à manger. Fait que c'est ça que je vais vous dire. Femme avait de m'écrire, elle dit son examen, ça a super bien été. Elle dit qu'elle pense au moins à mon 70, selon son édition. Fait qu'au moins, ça la passe, c'est quoi, il a dit? Au moins, tu passes. Le reste, on s'en fout, elle sort des notes, là. Puis, elle avait 3 heures pour le faire, puis tu fais, l'ai fait en 2 heures. Fait que ça a quand même bien été. Là, on va être soulagé, un examen de fait. Puis, il va rester demain son exposé oral. Ouais, j'ai donné le bain à Kato. Kato a sorti bain. Là, il va rester à donner le bain à Lucas. Mais là, ben, Nick est venu, tu sais, tout quelqu'un qui travaillait 5 heures, il est chez nous. Hein. Mais là, le bédon n'était pas bon, finalement. Irk. Puis, moi, j'avais rien que 2 viandes. Tu sais, normalement, Nick n'est pas supposé manger ici. J'avais une viande, mais il a mangé du blé d'Inde qui était pas bon. Mais finalement, j'avais des pâtes qui restaient. Il a mangé ça. Il a mangé, je pense, le reste de la pizza. Fait que. Là, il est parti jouer au parc avec Lucas. Je suis contente, mais là, Lucas, il n'a pas pris son bain. Il va aller son bain donner. Mais il va aller se dégourdir avec son frère. Fait que c'est ça que je vais vous dire que par son examen, ça allait avoir bien été comme il dit. Hein? C'est fun. Allô? Allô Nick, allô Lily. Vas-y mon petit singe. Vas-y Lily, ouais. On est allé au parc, puis il dit que le petit ami qui n'a pas été fait avec était là justement. Et il avait l'âge dans le corps éco-parc. Fait que quoi, ça a aidé aujourd'hui la petite rencontre à 3 avec l'éducatrice. Là, Lucas, ça va aider son paillet tout chou. Wow! Travaille fort, ce petit minou-là! On essaie de torser la roche, il faut, parce que ça maintenant on veut torser le spa. C'est pour ça qu'on est revenu dans ce mode-là, là, venir cette job-là. Puis Lucas est gentil avec son papa. Il est gentil. Je vois la mer. Je vois le sable. Je vois la plage. Ouais. Je vois le crabe. Je vois la tortue. Je vois le parasol. Je vois la pelle. Ça peut. Yo le voit. Maman, Yo le mot voit. Ouais. Le jeu est là. Ouais. Puis le là est là. C'est donc ben bon. Je vois la pelle. Oui. Je vois le sac. Oui. Le. Ça, le sac. Le sac? Oui. Et là. Le crabe. La mer. Le sable. Oui! Le bravo! Je vais pas le signer, t'es bon! Il faut vous dire que je conclue le vlog ici.
Je vais prendre mon bain. Il est 9h, mais je prends mon bain et je me couche tellement fatiguée là. Puis il est bon le lien pour lire, je capotais. Mais c'est ça, j'espère que demain, on se croise les doigts pour demain que ce soit encore. On se voit une autre bonne fois qui revient. Parce que là, ça fait hier. À ma tête, ça va vraiment pas bien été. On se croise demain sans bien aller. Que je vous dis bonne nuit. Bye. Merci de regarder ma vidéo. Je te donne rare. Salut!